suis tombée amoureuse de Marc-Antoine de la Place. Bon, allez, comme ça, elle va pas me reconnaître du tout. Elle a dû passer par là. On y va. Ouais, c'est clair. Salut! Avant que la vidéo commence, n'hésite pas à liker, commenter, t'abonner et à cliquer sur la cloche. Et surtout, regarde la vidéo jusqu'au bout si tu veux que ton nom apparaisse dans la bulle magique d'une prochaine vidéo. Bon visionnage! Oh non, pas elle! Mais pourquoi elle m'appelle? Oh, j'espère qu'elle est pas en train de faire des bêtises, celle-là. Je pourrais la laisser 5 minutes et ça irait pas. Cher journal, aujourd'hui je suis tombée amoureuse de Marc-Antoine de la Place. Il a 9 ans et demi et mesure 1m40. Oh, elle répond pas en plus. Clara! Allô? Allô, Lily Rose. Ok, t'arrives dans combien de temps? Oui, j'arrive dans 30 secondes. Je suis en bas là. Prépare tes affaires et après on y va. Oh là là! Faut que je le casse quelque part ce journal. Où est-ce que je pourrais le cacher? Ici? Non, elle va le trouver trop facilement. En dessous du lit? Je sais pas, non. Elle m'énerve vraiment à jamais être à l'heure. En plus, elle répond jamais sur son téléphone non plus. Elle fait que des bêtises. Ici peut-être? Non, ça se voit trop. Où est-ce que je pourrais le cacher? Bon, Lily Rose, là, t'es où là? On part dans le médecin dans 20 minutes. Qu'est-ce que tu fais? T'es toujours pas prête? Allez, allez, faut y aller. Faut y aller. Allez, si, si. Non, j'ai pas envie. On a besoin d'aller, si. Non, je peux pas, j'ai un truc à faire. Comment ça, un truc à faire? Ouais, j'ai un rendez-vous avec une amie sur la place. Voilà quoi. Sur la place? Y a pas de place ici, hein. Ta place, c'est chez le médecin dans 20 minutes. Mais c'est quoi ça encore? T'as été fouillée dans ma chambre, t'as dérangé ma chambre. C'est un livre que j'avais acheté pour mes cours. Oh non, 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 c'est un livre pour mes cours. Tiens, je vais chercher partout. Merci, allez, on y va. Enfin, moi, ouais, j'y vais, allez. Non, 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 ça va pas se passer comme ça. Comment ça, on se dépêche? Et puis, y a quoi d'ailleurs dans ce cahier? Y'a rien. Cher journal, aujourd'hui, je suis tombée amoureuse de Marc de la Place. Il a 9 ans et mesure 1m40. C'est pour ça que tu voulais à la place, hein? C'était un petit jeu de mots. Non, mais c'est pas vrai, mais c'est pas vrai, mais c'est pas vrai. T'inquiète pas. Et comment ça, Lily Rose, tu m'as menti? Du coup, t'avais pas de rendez-vous avec ta copine? Bon, allez, on va chez le médecin. On est pressé. Non, 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 on n'est pas pressé là, il faut qu'on s'explique. Bon, allez, vite, 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 j'entends quelqu'un en bas. Il y a quoi d'autre dans ce carnet d'ailleurs? Je déteste Clara, qui pue et qui est moche comme Jaja. Oh, c'est la guerre. Mais j'ai jamais écrit ça, voyons. Je vais le dire à mon père. Bon allez, moi j'y vais, j'ai quelque chose à faire. Elle est insupportable. Bon allez, je vais aller à mon rendez-vous à l'école et je vais aller voir Marc de la Place. Non mais qu'est-ce que j'entends? Tu vas aller voir personne. Tant que je serai là, ça sera net. Tu sais même pas parler. Bon allez, ciao. Comment ça, ciao? Bon, j'ai une idée. Je vais la suivre jusqu'à son rendez-vous en cachette. Et forcément, je serai bien équipée. Bon allez, on va mettre la perruque. Bon allez, comme ça, elle va pas me reconnaître du tout. Bon allez, vite, il faut que j'y aille. Bon allez, j'espère qu'elle va pas me voir, faut que j'y aille vite. Comment je vais faire? Je sais même pas trop la route là. Bon, elle a dû passer par là. Ça pue donc, ça doit forcément être elle. Ça doit être par là. Oh, j'ai trop hâte. Bon, maintenant j'ai plus qu'à attendre. Normalement, il va arriver d'une minute à l'autre. Oh, je la vois, elle est là-bas à côté de l'arbre. Mais quelle nulle, je l'ai trouvée. Oh non, me dis pas que c'est Clara là-bas. Oh, mais elle est plus blonde. Ah ah, je t'ai retrouvée. Je savais que c'était toi. Bah oui, tu croyais que j'avais pas te retrouver avec ton rendez-vous? Ah, t'avais mis une perruque pour pas que je te connaisse en plus. Bon allez, maintenant on va à la maison, tu m'as pas eu, haha. Bah si, je t'ai eu. Oh non, elle s'enfuit encore. Lily Rose, j'ai quelque chose à dire de très important. Lily Rose, Clara. Oh non, punaise, c'est pas possible, je viens de recevoir un message de la directrice de l'école qui dit qu'il y a un enfant qui attend Lily Rose devant l'école. Comment je vais faire maintenant? Pff, de toute façon, c'est toujours sur moi que ça tombe ces bêtises. Lily Rose, t'es où? Bon, Lily Rose, je veux plus que tu t'enfuis comme ça, ça sert à rien là, tu me fais toujours des frayeurs et ton frère il doit s'inquiéter aussi. Oh, mais c'est bon, oh, j'ai le droit de faire ce que je veux, j'ai presque 18 ans. Pas du tout, du tout, du tout, t'es loin d'avoir 18 ans et on s'enfuit pas comme ça même à 18 ans. Ok, boumeuse. Ah bah, justement, vous êtes là, Lily Rose, Clara. Ah bah, ça vous dérange pas de même pas me prévenir quand vous partez? J'ai dû avoir affaire à la directrice ultra méchante et ultra moche et bon. Non, mais je voulais aller quelque part avec Clara, mais je voulais pas pour que... Bah, pour que tu t'inquiètes pas. Mais quoi, mais n'importe quoi, pas du tout. C'est toi qui t'es enfui pour aller retrouver ton amoureux parce que tu lui avais mis rendez-vous. Mais n'importe quoi. Puisque c'est comme ça, je ne parle à personne ici, vous êtes tous des menteurs. Bah oui, de toute façon, Esteban, tu sais très bien que Clara, c'est une menteuse depuis le début. Ouais, c'est trop bizarre ton histoire, Lily Rose.
T'es sûre que c'est ça, Clara? Bon, de toute façon, t'as toujours été méchante avec moi aussi, hein, donc bon, je vais pas te défendre maintenant, évidemment. Bon, allez, Lily-Rose, viens, on y va. Ouais, c'est clair. On est mal, de toute façon, il me croit jamais. Donc non, voilà, donc n'hésitez pas, si cette vidéo vous a plu, si vous a plu, n'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner.